29 décembre, il est intéressant de faire une rétrospective de notre planète et de visiter les autres planètes. Astrologues, astronomes, biologistes sont au rendez-vous. Et une surprise, nous avons même invité une planète en studio. Aujourd'hui, les gens de planète, comme on est. Bonjour, Jojo Savard, comment ça va? Très, très, très bien. Bonjour à la maison, comment allez-vous? Hein? 29 décembre, c'est la fin de l'année et c'est toujours une période très fébrile. Les fins d'année et les débuts d'année, on espère toujours avoir plus de joie, moins de tristesse. En 92, ça n'a pas été facile. Non, c'était pas facile. C'est une année de remise en question profonde, mais c'était l'année du singe quand même au niveau du calendrier chinois qui a permis quand même aux gens de peut-être rire un peu d'eux-mêmes puis de prendre les choses moins au sérieux, de chatouiller un petit peu plus. De se remettre en question pour se préparer, parce que là, on rentre dans l'année du coq en février. On finit l'année du singe quand même en beauté. Donc, on peut se permettre de rire, de se pardonner, puis s'amuser, puis d'aimer, et de se permettre aussi de... surtout de se pardonner. C'est ça qui est important, puis de repartir ça, du bon facile. Pied. Puis il faut s'aimer assez pour... il faut s'aimer assez, justement, pour le faire. Sinon, la vie, c'est quoi? C'est une quête continuelle pour savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en vient. Puis tous les jours de notre vie, on se cherche. Mais à la fin de l'année, spécialement, on dirait que, surtout au niveau des étoiles, tout ça, ça nous oublie à faire une introspection puis se dire, coudon, où est-ce que je m'en vais, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine pour m'améliorer? Parce que dans le fond, tout le monde qui nous écoute, il essaie d'être très bon. Tout le monde essaie de faire ça. On entend parler des nouvelles tellement négatives souvent, mais foncièrement, je crois sincèrement que l'humanité, ce sont des êtres fantastiquement très bons. Ils essaient très fort. Dites donc, Jojo, les astrologues travaillent conjointement avec les planètes? Oui, nous avons une conjonction très... Évidemment, on est dans les planètes par-dessus la tête. Écoute, on est en amour avec les planètes par-dessus la tête. On fait... Faites pas un travail comme les astronomes, là. Savez-vous comment je vois ça, moi? Dans la vie, tout est polarité. Il y a des parties de la vie qui sont de la matière, puis il y a une partie qui est non-matière. Il y avait justement un monsieur fantastique qui, justement, dans le temps de la NASA, un monsieur qui s'appelait Head, Richard Head, avec un autre monsieur qui s'appelait Mayfair, qui disait dans le temps d'Apollo en 1963, maintenant, dans l'époque où on vit, je pense de comprendre les forces invisibles du cosmos, c'est une question de vie et de mort. L'astronome, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va observer les planètes comme un objet, il les calcule, il va les comprendre en tant que matière. Et dans l'univers au complet, il y a un côté matière et un côté non-matière. C'est comme la Lune. Il y a un côté de la Lune qu'on voit, qui est clair. C'est très symbolique, ça. Parce qu'oubliez pas que l'astrologue, c'est celui qui va observer beaucoup plus le côté de la Lune qu'on ne voit pas. Ne vous embarquez pas dans la galère des astronomes, là, au vous, contraire, Mme Savard. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et sur la planète, je pense qu'il y a des humains qui travaillent pour calculer. Même au niveau des astrologues, il y a des astrologues techniciens qui sont dans les computers à journée longue à calculer des progressions puis essayer de comprendre des affaires. Il y a des astrologues qui sont plus poètes, il y a des astrologues qui sont beaucoup plus des philosophes. Mais l'astrologie, dans le fond, c'est un peu de tout. Puis depuis le début des temps, l'astrologie a même donné l'essence, dans une certaine façon. Au début, c'était astrologie, astronomie mélangée, Aristote, Ptolémée, tous ces gens-là, Kepler, comprendre Copernic, étaient des savants qui étaient aussi intéressés à l'astrologie. L'astrologie, ça veut dire le mot, ça veut dire qu'ils s'occupent du cosmos pour essayer de comprendre les phénomènes célestes. Les astronomes, eux autres, ils voient le côté scientifique. Et comme on sait dans la vie, toute chose scientifique est toujours une théorie qui est temporaire parce qu'à travers les temps, vous savez à quel point la science est toujours comme contredite. La théorie, quand elle arrive au résultat, très souvent. Mais ce qui est important, c'est qu'ensemble, les astronomes, en calculant ça, parce qu'on s'en va vers les planètes, c'est important qu'ils soient là, mais c'est bon aussi d'observer l'autre côté de ce qu'on appelle le non-matière, c'est-à-dire les forces invisibles qui créent ces matières-là. Et ensemble, on va arriver, je pense... C'est quoi la planète des communications? Je pense que vous l'avez, celle-là, dans votre campagne. Elle est bien placée, elle est vraiment bien placée. Elle est en Gémeaux, alors elle est dans son élément, dans sa constellation. Vous avez parlé qu'il y avait des astrologues qui travaillaient au niveau des ordinateurs, d'autres qui travaillaient plus au niveau du cœur. Philosophique et poétique. Vous êtes quoi? Moi, je fais beaucoup au niveau évolutif. Alors, je travaille beaucoup avec le monde invisible. Alors, j'essaie de comprendre l'influence. D'ailleurs, depuis le début des temps, toute l'humanité entière, on essaie toujours de savoir d'où on vient, où on s'en va. Puis, il y a une divination. Nous, les astrologues, on regarde ça souvent comme une poésie. Mais la poésie, il faut jamais la dénier dans la vie. On peut pas se... Parce qu'il y a des choses dans la vie qui se mesurent, puis il y a des choses qui se mesureront jamais. C'est quoi la planète la plus intéressante, là, pour quelqu'un comme moi, là? Moi, je suis vierge. Toi, t'es vierge. Une carte du ciel. C'est quoi la planète la plus intéressante que je pourrais avoir?
toi. Ta planète à toi, c'est Mercure. C'est la planète de l'intelligence. C'est la planète de la personne du méticuleux, de la perfection. C'est la planète de la moisson, parce que la Vierge, la constellation de la Vierge, c'est ce qui, après avoir donné tant de choses, voyez-vous, les astronomes vont le voir d'un côté physique. Moi, je vais le voir plus au niveau symbolique à travers le temps. C'est quelqu'un qui est Vierge, c'est sa raison d'être. C'est souvent en rapport d'être au service de l'humanité. Et ta planète, c'est Mercure, l'intelligence. Parlant de Mercure. Oui. On l'a invité, cette planète-là, en studio, juste avant d'aller rencontrer Mercure. Ça, c'est votre livre, ma chère. Oui, hein? Oui. Pour 93, alors, toutes les prévisions? Très légère et le fun, j'ai simplifié. Je ne commencerai pas à expliquer des complexes. Je fais ça très simple. J'explique c'est quoi Jupiter, c'est quoi Mercure, c'est quoi Vénus. Et je fais aussi, en rapport de l'astronomie, toujours aussi un versus en rapport des précessions des équinoxes, qu'on respecte aussi. Moi, je suis une astrologue quand même sérieuse. Même si j'ai bien du fun dans la vie, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas juste regarder le côté rationnel, pour garder les deux côtés. Oui, c'était les nôtres. Je ne peux pas y croire. Madame, tantôt, a dit quelque chose d'intéressant. L'astrologie, c'est un art. Et en tant que tel, j'ai rien contre l'astrologie. Mais lorsque l'astrologie se veut scientifique, lorsqu'on utilise un langage pour dire, par exemple, qu'on utilise des ordinateurs et que ça rend la chose plus sérieuse, là, j'ai de la difficulté avec ça. Parce qu'à mon avis, on trompe les gens en leur faisant croire qu'il y a dans l'astrologie quelque chose de sérieux ou quelque chose qui permet de faire des prédictions qui sont valables. Je voudrais savoir une chose. Ça devient un débat. Non, c'est merveilleux. Non, je trouve que c'est le fun parce que vous êtes convaincu et vous êtes authentique. Qu'est-ce qui compte dans la vraie vie, c'est la vérité, dans le fond. Tout le monde, ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver à une certaine vérité. Puis il n'y a pas de vérité absolue. On est tous en recherche constante pour arriver là. Et quand j'expliquais tout à l'heure que vous autres... j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on peut s'arrêter à la vie, que la vie, on peut simplement regarder ce qui est observable. Et puis que je ne crois pas que toute chose peut s'expliquer et pas toute chose peut se mesurer. Je suis convaincue qu'il y a une grosse partie de la vie, il y a tout le monde de l'espace invisible, qui crée justement ce qu'on peut calculer, tout ça. Et je pense que l'astrologie, le début de l'homme qui a observé le ciel, justement, pour essayer de comprendre les cycles de la vie, pour comprendre d'où il vient, où il s'en va, et tout cet aspect divin, tout ça, je pense que les premiers savants étaient des astrologues d'une certaine façon. Oui. Ça reste que c'est quand même du domaine plus de la psychologie que de la science. C'est un phénomène social. Les astrologues sont de grands psychologues. Mais vous pensez que c'est leur donner va disparaître. C'est une histoire, c'est une leçon de relativité extraordinaire, je trouve. Mais tu trouves pas que ça nous ramène à nous dire à quel point on est extraordinaire, puis on est des enfants d'un infini extraordinaire? C'est-à-dire que si on regarde... La façon que ça se tient tout seul, comme une horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Tu sais ce qu'on dit, les astrologues, nous autres? On dit le cœur de l'homme est à l'entité de l'homme, son corps, ce que le soleil est à l'entité de la galaxie. On voit ça comme des êtres qui vivent, des forces divines extraordinaires, ce que Dieu est à l'univers tout entier. Moi, je trouve que ça nous ramène à nous. C'est quoi la planète du mouvement? Parce que celle-là aussi, vous l'avez. Ah, moi, Mercure, ça bouge beaucoup. C'est la communication. La planète de la musique? Mais lui, c'est Mercure. Ah, c'est le messager. C'est le messager des dieux. Exactement.